L'OM se tape Tottenham, le Sporting et Francfort. Oui, on a évité le groupe de la mort du Bayern, de Barcelone et de l'Inter. On peut donc prétendre à se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Oh, j'en reviens pas, je pensais me taper le Barça, le Bayern et l'Inter. Mais on s'est tapé la meilleure poule. Alors, bon, oui, on va falloir s'en sortir, surtout avec notre entraîneur et notre équipe. Hein, va vraiment pas falloir de se prendre des surprises. Mais c'est magnifique de voir qu'on... Et franchement, moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, putain, on va se taper le groupe A ou le groupe C, groupe de la mort. Mais non, on a le meilleur groupe, putain. Bon, après, maintenant, je vous l'accorde, on va pas falloir faire de merde. Mais le meilleur groupe, oh putain, que ça libère. Oh, le Tottenham, c'est pas un grand Tottenham, hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Francfort, ça reste une équipe assez forte de Bundesliga, mais c'est pas la meilleure. Puis l'autre, voilà, enfin, chaque temps. Enfin, non, c'est... Enfin, bref, c'est incroyable. C'est... Voilà, c'est pas le pire tirage qu'on pouvait se taper, en fait, c'est le meilleur. Et quand je voyais, quand ça tirait au sort, je me suis dit, putain, on va se taper le pire, on va se taper le Bayern, le Barça, l'Inter, mais non. Oh oui, la bonne mère est avec nous, les gars. La bonne mère est avec nous. On a tapé le bon groupe maintenant. Faut surtout pas finir dernier. Faut surtout prendre des points importants. Et bah, faut aller tout simplement finir. Aller en 8e de finale. On s'en fout contre qui on tombera. Mais aller en 8e. Parce que là, on peut faire la surprise de sortir des poules. Parce que là, c'est notre niveau. C'est cette poule, on va dire, c'est un niveau Europa League. Quand on compare les autres. Et là, franchement, comment je suis soulagé de pas avoir être tombé sur le groupe de la mort. Oh yo yo, on évite le Bayern, le Barça et l'Inter. Incroyable. Incroyable n'est pas marseillais. On va finir premier ou deuxième, on va se qualifier en Ligue des Champions. Magnifique, magnifique tirage. Que dire de plus, hein, vous voyez, la Ligue des Champions, bah, elle ne sera pas à nous, mais voilà, on a peut-être une chance de passer les phases de groupe. Et ça, c'est juste incroyable. Le Vélodrome va être en fusion, hein, à partir du 6 ou 7 septembre. Ça va être la fusion 3 ou 4 jours après la JOCR. Voilà. Bon, maintenant, on va commencer vraiment à rentrer dans le dur. Là où il va falloir être important, il va falloir que Tudor, il est du jeu, qui monte du jeu, qui soit là, et qui monte qui est l'OM. Et là, ça fait plaisir de tomber sur un compte. Un groupe comme ça, où on peut être premier, deuxième. On peut les avoir, les ambitions. On aurait été dans le groupe C, on aurait dit, allez, essayons juste de faire 1-2 points. Mais là... Là, t'as pas à te trouver. Là, t'as le groupe pour toi, pour faire renaître l'Olympique de Marseille d'avant, de ses cendres en Ligue des Champions, et montrer qui est l'OM, parce qu'il y en a beaucoup. Bah, ils savent pas qui c'est, qui y avait avant, même si on connaît forcément, mais on connaît pas l'histoire, et au moins, on voit la passion, le Vélodrome, tout ça, et c'est magnifique. On se tape une bonne poule, et là, je suis heureux, franchement, je suis comme un gosse. C'est un truc de fou. Allez, gars, je vous laisse. La Gnuta, merci la bonne mère, et quel beau tirage en Ligue des Champions pour notre Olympique de Marseille.